Hey, salut les amis, c'est LCS. Alors aujourd'hui, on a une petite vidéo un petit peu spéciale parce que c'est la vidéo ras-le-bol, la vidéo coup de gueule. Alors hier soir, j'ai eu un petit problème, même un très gros problème sur mon live. J'ai fait un live d'environ un peu plus de 8 heures, je crois, ou un peu moins, je sais plus, enfin bref, on s'en cogne. Du coup, il y a un Gugus qui s'est amusé à aller faire chier les autres youtubeurs en racontant de la merde sur ma gueule. Donc il y en a un qui est présent aujourd'hui avec moi, ainsi que Ingrid. D'ailleurs, qu'on va entendre maintenant. Oui. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est bien. Simulateur. Salut. Voilà. Donc du coup, on va parler tout chacun de notre tour. On va dire ce qu'on pense de vos conneries. Et en incitant les autres youtubeurs qui regardent cette vidéo à faire de même. Donc c'est-à-dire à bannir tous ces petits cons à la con qui font que des conneries, qui s'amusent à faire chier tout le monde. Parce que franchement, c'est pas moi personnellement, c'est pas la première fois que je vois ça, et ça sera sûrement pas la dernière. Donc du coup, voilà, cette vidéo, ça va être spécifiquement pour ça, pour dire que bah on en a ras le cul. Donc du coup, moi, pour ma part, j'ai dit ce que je à peu près ce que je voulais. Donc les personnes qui seront qui vont arriver sur les lives, qui ont une attention de foutre le bordel, ou qui sont sur ma liste noire, c'est-à-dire qui notaient là. Donc. D'ailleurs, qui est noté sur une feuille, hein, qui est derrière, je vais pas montrer les noms, évidemment, hein, autrement c'est trop facile. Donc du coup, j'ai quelques noms. Et si je les vois sur mon live ou en commentaire sur mes vidéos, je vais garder un gros œil dessus. Et également sur le Discord, parce que j'ai vu qu'il y a quelques petits connards qui se sont amusés à venir foutre la merde sur les Discords. Non seulement pas que le mien, mais aussi sur d'autres Discords auxquels je suis actif. Et ça va me gonfler particulièrement. Enfin, ça m'a gonflé particulièrement, donc je me suis empressé de m'en débarrasser très vite. Hein. Donc j'ai encore quelques personnes qui sont en vue, donc sur mon serveur et sur d'autres serveurs Discord. Donc je pense que ces personnes-là vont se reconnaître. Donc je garde un œil sur vous. Tenez-vous un carreau parce qu'autrement c'est le ban direct. Je ne vais même pas chercher à comprendre. Et bah pour le coup, pour moi, je vais laisser la parole à Ingrid. Ouais, hier on était en live, un peu plus de 8 heures ou un peu moins, on s'en fiche, ce n'est pas ça le problème. On a eu des insultes gratuitement, on a eu des menaces gratuitement. Je suis désolée, mais qui vous êtes-vous pour nous insulter gratuitement et faire des menaces comme ça à tout va, juste parce qu'il y en a juste un qui n'est pas content qu'on l'a remis à sa place. Faut qu'il aille voir sa bande et qu'il les ramène sur le live pour se faire insulter. Enfin, pour nous insulter, excusez-moi. Je trouve ça vraiment inadmissible. Je ne sais pas qui vous êtes, d'où vous venez. Je m'en fiche. Mais quand vous venez sur un live, c'est un minimum de respect. Je me suis fait insulter également. Je trouve vraiment pas ça respectueux. Vous ne connaissez même pas la personne. Vous vous amusez à les insulter, les menacer. Pour ma part, les insultes ne m'ont pas touché, heureusement. Puisque je ne vous connaissais, enfin, je vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Voilà, mais que ça ne se reproduise pas parce que, comme a bien dit Jérôme, on a un œil sur vous, que ce soit en live, en vidéo ou sur Discord. On est quand même actif sur ces réseaux. On a vos noms, on ne dira pas pour question de sécurité. Et puis, je sais très bien que ceux qui sont concernés vont regarder la vidéo. Voilà, vous vous êtes abonné hier, vous avez disliké, pas de souci. Nous, ça ne nous touche pas du tout, hein. Dislike ou pas, on s'en fiche. Mais vous avez été là hier, en fait, juste pour nous insulter et faire des menaces. Donc, vraiment, vous êtes ridicule. Il y a un gros manque de respect chez vous. Et aller faire chier d'autres youtubeurs, ça m'agace, quoi. Parce que je sais pas, enfin, c'est une grosse perte de temps. Vous faites chier tout le monde. Nous, ce qu'on demande, c'est avoir un peu de calme, de respect, et qu'on puisse discuter tous ensemble. Et pas que y ait des insultes à tout va et que voilà. Donc ça nous a royalement gonflé. Donc j'espère que ça servira de leçon. Donc pour moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Des gamins de 12 ans, je pense, qui se sont amusés à venir s'amuser sur les lives des autres. Voilà, ramener toute sa bande de potes là. Mais je pense que derrière les réseaux, c'est. Enfin, derrière son ordi, c'est un peu trop facile, mais par devant, à mon avis, ça serait pas la même chose. Moi je dis grande gueule, mais pisse pas loin. Bah toi du coup, le Parisien. En fait, moi, ça fait 4 mois que ça dure chez moi, en tout cas sur ma chaîne. Au début, c'est parti d'une histoire avec une personne. Et je suis venu faire quelque chose sur le live à LSC. Et une personne m'a reconnu. Donc, elle a décidé de faire une histoire encore.
Donc cette personne était amie avec la personne qu'on s'est disputé. Et du coup, elle a eu l'idée de créer l'histoire. Bon, après, on est venu me red dislike, m'insulter aussi. Et, après, il y a encore eu des mensonges en quoi que LSC m'a insulté alors que c'était totalement faux. Et que moi, je l'avais insulté alors que c'était faux. Et il y a beaucoup d'accusations sur moi avec aucune preuve. Donc c'est vraiment, ça fait chier. Parce que ça fait 4 mois quand même que ça dure sur ma chaîne. Et là, ça vient de hier soir de le faire sur la chaîne à LSC. J'espère que vous allez vous arrêter, parce que c'est vraiment chiant. En tout cas, de ma part, j'ai signalé toutes les chaînes harcèlement envers moi et envers LSC. Voilà. Donc j'espère que vous allez vraiment vous calmer. Parce que même si vous avez 40 ans, parce que ça c'est vrai, mais à votre âge, franchement, faire ça, c'est con. Voilà. Donc j'espère que vous allez arrêter une bonne fois pour toutes. Voilà. Ça s'appelle du harcèlement. C'est puni par la loi, donc faites attention, très attention à vous. Ouais, parce que le harcèlement, c'est vraiment punissable par la loi et c'est, vous savez, enfin, tout le monde sait ce que c'est que le harcèlement. Tout le monde est passé par là, j'en suis passé par là. LCS aussi, je pense que Paris a aussi, donc c'est vraiment, ouais. Voilà, c'est inacceptable. Donc réfléchissez avant d'écrire quoi que ce soit, de devenir insulté. De toute façon, toutes les chaînes qui ont été ban ont été signalés. Moi, j'ai également signalé certaines chaînes YouTube pour harcèlement. Donc, j'espère que YouTube va vraiment garder un œil sur ces chaînes-là et qu'il va faire tout le possible pour que ça ne se reproduise pas, parce que à la longue, ça devient vraiment pénible. Donc, du coup, bah voilà. Donc, ça c'était Ingrid qui venait juste de parler. Juste avant, c'était le Parisien. Vous l'avez bien compris. Donc, du coup, moi je vais rajouter deux ou trois trucs. Donc, du coup, on va entamer un petit peu la discussion du. Je suis derrière mon PC, je risque strictement rien. Non, c'est strictement faux. Pour ceux qui ont vu ma vidéo ce matin, j'en ai parlé brièvement. Enfin, brièvement, j'en ai parlé quand même pour un bon quart d'heure, 20 minutes. Donc, non, vous n'êtes absolument pas protégé par votre putain de PC, déjà une première chose, et deuxio, vous risquez quand même une peine de prison pour ça. Donc si j'étais vous, j'arrêterais mes conneries très vite. Si vous voulez avoir du clash entre youtubeurs, entre plusieurs personnes, bah c'est pas compliqué, vous avez qu'à vous poser votre cul devant sur votre canapé, devant les Marseillais, vous aurez votre dose, vous inquiétez pas. Donc du coup, moi sur ce, j'ai rien d'autre à dire, ainsi que il n'y avait pas que le monsieur le Parisien qui s'est fait qui s'est fait insulter et qui s'est fait on va dire manipuler par une bande d'enculés comme quoi je les insultais. Je pense que la personne reconnue, elle marquera un commentaire vu que ma première vue n'était pas connectée, j'aurais sauté qu'elle soit là, mais je pense qu'elle va se reconnaître si elle voit la vidéo. Donc du coup voilà, la rigueur, sur un prochain live, cette personne là viendra sur le live et poussera son coup de gueule aussi, parce que je pense qu'il en a tout à fait le droit. Et du coup je pense que là-dessus, on va se laisser par là. Donc, juste un petit truc à dire. Ouais. À partir de maintenant, moi, toutes les chaînes qui viendront faire chier, je les signalerai et je vais essayer d'envoyer un mail à YouTube pour qu'ils se bougent le cul, parce que là, c'est chiant. D'accord. Donc, en espérant que YouTube nous entende, en espérant que YouTube t'entende, parce que c'est vrai que ces conneries, il est temps que ça s'arrête. Hein, c'est pas la première fois, ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Et il est temps que stop, quoi. Voilà, voilà. Donc, du coup, moi, sur le. Je peux rajouter un petit truc. Ouais, vas-y. Sachez qu'il y a le harcèlement. Il y a beaucoup de gens qui se suicident pour le harcèlement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a plusieurs personnes qui se suicident parce qu'elles se font harceler tous les jours. C'est pareil au lycée, bon, ça n'a rien à voir, mais il y a du harcèlement partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, au collège, en primaire ou au lycée, c'est pareil. Pour info, sur les réseaux sociaux, on n'appelle pas ça du cyberharcèlement. Donc, pour votre gouverne, j'ai le numéro spécial qui me permet de vous signaler, vous, donc derrière les ordinateurs qui gèrent cet organisme là, ce n'est pas des petits mecs qui sont en costume ou je ne sais quoi, c'est vraiment des gendarmes qui s'occupent de ça, qui sont spécialisés pour ça. Donc si j'étais vous, j'arrêterais, parce que si je vois qu'il y en a qui continue et que le youtubeur en question je vois qu'il commence à pas être bien, vraiment, mais vraiment pas du tout, je vous signalerai auprès de ces personnes là qui s'occuperont de votre cas personnellement. Et je verrai également que des poursuites judiciaires soient engagées envers vous. Parce que, franchement, si vous avez que ça à foutre, vous êtes tombé vraiment chez les mauvaises personnes.
Bon, du coup, sur ce, nous, on va vous laisser là-dessus. On a 10 minutes, c'est super, c'est nickel, c'est juste ce que je voulais. Donc, il y aura sûrement d'autres coups de gueule. Donc, il y aura sûrement Shadow aussi, parce que là, j'ai voulu qu'il vienne, mais il m'a pas entendu, donc tant pis. Donc, moi, de ma part, je vous dis à la prochaine. Donc, Ingrid et le simulateur, je pense que vous allez pouvoir dire au revoir aussi. Ouais, salut. Il n'a pas entendu. Ouh, le Parisien! Le Parisien! Ah, excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Bah, à plus tout le monde. Voilà. Allez, et que ça recommence pas parce que autrement, ça va aller plus loin. Allez, salut! Salut.